Et donc, salut tout le monde, c'est Funstantius, sur toi pour un nouvel épisode avec... avec la Chine, excusez-moi un instant, il y a juste un event. Ngo Diem est mort, le président Nguyen est mort. Bah, il est toujours au pouvoir, donc non, il n'est pas mort. Donc j'espère que vous allez bien, surtout en cette période, actuellement je tourne, nous sommes le mardi 18, non 19. Ouais, 19. Période, comme nous le savons tous, où la canicule a décidé de nous faire très mal. Merci le réchauffement climatique de venir nous mettre en PLS. Ça fait toujours un plaisir. Donc bon, actuellement, j'espère que vous êtes bien à l'abri chez vous, que vous avez, comme moi, calfeutré vos fenêtres avec des rideaux ou des volets pour pas que la chaleur entre. Moi-même, je tourne dans le noir, donc c'est très efficace, je ne vois même pas mon chrono. Tant pis. Et ça va peut-être me faire mal aux yeux, mais je suis clairement plus au frais dans le noir. Et j'espère que vous avez à côté de vous une petite bouteille d'eau, parce que je pense que je vais peut-être m'arrêter à plusieurs reprises. Je vais peut-être probablement m'arrêter une ou deux fois pour boire un peu. Alors dans cet épisode aujourd'hui, on va entrer en guerre. Oh là, ok. On va entrer en guerre contre le Pakistan. Et oui, parce que faut bien qu'on entre en guerre. Et puis bon, ça va, on n'est qu'à 104 de belligérance. À côté de l'Allemand, il doit être à deux fois plus. Bon, on va aller faire la peau de l'Afghan. On va attendre encore un ou deux mois. Et on y go. Donc ok, donc il y a une tentative de coup d'État et Diem a survécu. Intéressant. Très intéressant même que Diem ait survécu. Nouvelle industrie créée. Ah, encore des avions. Hongshai, ça j'ai compris, ça doit être les avions. Oui, c'est quoi, c'est des tacs? Piqué, collégramme. Voilà. Investir dans la recherche. Oui, pour le futur. Ah, on sent les mouches. Ah oui, bah comme si j'avais pas déjà assez de problèmes comme ça, j'ai maintenant les mouches. Ah bah attendez, je vais faire un truc. Est-ce que j'ai la Chine ou un truc du genre? Oh, j'ai pas la Chine. Oh, fais suer. Allez, on va mettre la seconde guerre. Allez, hop. Voilà, voilà. Bon, bah, il se passe pas grand-chose. Ah. Ah non, c'est pas une mouche. Ça, c'est bon de ce côté-là. Ok, on est en train de continuer à modifier notre armée. Et je pense qu'on va pouvoir lancer l'attaque. On va lancer l'attaque fin avril. Parce que moi, j'ai une autre unité qui doit arriver. D'évaluation de la monnaie. Ok, ça, on sait. Ah oui, c'est vrai que je suis en train de faire tout, reconstituer toute mon armée. Oh mon dieu, ça va être si long. Ça va être si long de modifier toute cette belle armée. Alors. Il se passe, c'est pas grand chose d'autre dans le monde. Alors, ça me quoi déjà mes 54? J'ai un peu la mémoire courte, vous noterez. Ah, bah oui. Alors, il n'y avait pas de guerre en cours, il me semble. Peut-être si, non? Non, il n'y avait pas de conflit en cours. La droite a été réélue. Ah, est-ce qu'on a Churchill qui est encore au pouvoir? Harold Macmillan, c'était pas un mec de gauche, lui? Ou alors je confonds avec un autre, mais... Ah non, c'est bien un gars de droite. Bon, et Mondgo qui est toujours là. Ah, dis donc, niveau incompétence, Mondgo, tu fais fort, là, dans cette série. Bon, en vrai, c'est pas de sa faute. Il a juste à gérer un mauvais conflit. Ok, une agence spatiale nazie. Oh mon dieu, on va avoir les nazis sur la Lune. En même temps, ils ont Van Braun et toutes les figures du parti nazi qui sont pas barrées avec Paperclip. Donc, je pense que ça va être particulier. Alors, est-ce qu'on a une nouvelle? Oui, il y a Sidiv. Ah oui, c'est toute l'armée de mon... Comment ça, je peux pas? Bah si, je contrôle toutes les unités. D'accord, donc il doit y avoir un petit truc assez bizarre. Bah, on va faire ça, hop. Ouais, ce qui est con, c'est que je revois même pas moi aussi le... Mon écran, enfin, les touches de mon écran, c'est assez catastrophique, mais bon. De toute façon, si j'ai très mal aux yeux, je rallumerai la lumière, ça c'est pas un problème. Bon, on va bientôt pouvoir lancer l'attaque. Allez, je dois redéployer. Voilà, les petits. Alors, est-ce que c'est là? Game Roux. Ouais, c'est bon. Bon, bah, on enverra le corps après. On va voir lancer l'attaque. D'ici quelques jours. C'est bon, on va lancer l'attaque. Place au combat. Bonjour, monsieur le président. Ok, c'est que des Anglais. Ah, je pourrais exiger. On peut éviter la guerre, mais... Banzai! Ouf. Alors, on va espérer que ça va pas dégénérer en guerre mondiale, mais me connaissant, ça va mal finir. On attaque! L'infanterie attaque! Là, si on encercle les troupes ici, ça sera parfait. En vrai, je sais même pas si j'attaque avec les bonnes troupes, mais on verra bien. Hop. On va laisser un peu de réserve et on va attaquer ici. Voilà. Ouh! Ça commence! Purée! Le massacre a commencé! Lâchez les fauves, Smithers! Hop, on va redéployer les troupes là. Niveau infra, c'est une catastrophe. Allez, hop!
Marche en territoire ennemi. Bonjour. On va baisser la vitesse parce que je veux voir les combats. Alors, catagramme, qu'est-ce que ça donne? De la montagne 42. Attends. Non mais l'IA fait n'importe quoi. De la montagne dans la jungle, c'est complètement con. Enfin, je vais pas me plaindre que l'IA fasse des trucs complètement stupides. Oh mon dieu, le massacre! Oh là là, là-bas ça va être un massacre encore plus. Alors ils ont quoi dans leur armée? Alors, garnison! Ah, c'est que de la garnison? Ah oui, c'est ça, c'est que de la... Pff. Ah, ils ont de la montagne. Là, ça va être un peu chaud. Ils ont de la garnison, mais ils sont cons. Ah, là, il y a l'infanterie. Alors ça, c'est pas vraiment jouer à aller, mais bon. Faut falloir que je fasse une attaque de diversion sur le côté, sinon ça va pas aller. On va envoyer Semenov à l'attaque. C'est le mec, on va l'envoyer tout seul. Avec juste une pauvre unité de soutien, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'armée de Kirghiz, mais on va pas les envoyer non plus. 6 contre 12. Eh, ça passe. Ça passe, qu'est-ce que vous en dites? Il y a beaucoup de garnisons quand même dans cette armée, hein. Beaucoup de garnisons quand même. Putain, mais regardez ce massacre! Attends, le 10 ça baisse. 0-3, c'est parfait. Par contre, j'ai ma... Ouais. J'ai ma TC qui explose. J'ai trop de trucs, Non, c'est juste que j'ai pas beaucoup de TC. Oh là là. Oh. Et on est en train de les percer. Oh, on les perce! Oh putain. Regardez les pertes! 3000 morts en même pas 2 semaines de combat. De mon côté, 15 000. Oh mon dieu, c'est un massacre. On va attendre un tout petit peu avant d'attaquer. Et ensuite, on attaquera avec Starmela pour défoncer la poche de Sudmo. Voilà, c'était ça mon plan. Je pensais pas que ça se passerait aussi facilement. Alors, étonnamment, il y a le monde qui s'en fout complètement. Je suis juste en train de casser la figure à... Putain, là, on prend des pertes. Ah non, ça va, 352 morts. On prend un peu d'attrition. On va envoyer les Birmans en soutien. Allez, hop. Courage, mes amis, nous allons vous libérer le Bangladesh avec 20 ans d'avance. 11 ans d'avance. Catagramme, victoire, 352 morts. On a gagné! Oh, le massacre! 7000 contre 40000. Eh, franchement, les guerres modernes, c'est tellement surjoué. Attends, je vais aussi lentement? Comment ça se fait? Ah oui, mais c'est une montagne, c'est vrai. Oh mon dieu, mais on va être lent. Oh, oh la lenteur. J'ai pas des montagnards qui peuvent aller plus vite. Ah bah si, attends, j'ai des renforts là-haut. Ah mince. Ouais, on va avoir un petit souci là. Attendez, j'ai un groupe à 2,1. Est-ce que si eux, je les envoie, ils arrivent maintenant? 9 juin, eh ben on les envoie. Allez, hop. On va en profiter également pour envoyer tous nos renforts restants. On va soutenir Amouza, Muzaffarabad. Désolé les noms, j'ai un peu de mal à retenir. Putain, cette première bataille est un massacre. Eh, on a démonté 3-4 unités. Embuscade, bah ça va, les généraux qui gagnent de l'expérience. Ah, là c'est bon, ça a commencé à être un peu plus tendax. Voilà, 30 mai, c'est ce que je veux. Non, attends, les mecs qui mettent 100 ans à traverser le désert, évidemment que ça va mal se passer. Bon, on va attaquer à Sumdo. De toute façon, niveau infra, c'est une catastrophe. 10, 10, oh purée. Oh, la vallée de l'Indus, ça va être une catastrophe. Allez, 11 dives, là ça passe. Oh, mais attends, il y a que... Attends, mais il y a combien de gardes? D'accord, donc là, c'est tapé un délire. Vous vous rendez compte qu'il y a... Attends, je vais même pas tuer Div en fait. Y'a rien. Putain, c'est catastrophique, y'a rien. Alors, oh, oula, 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 tout qui se casse la figure. Oh, c'est pas bon du tout ça. Hop, ça on bloque. Ça on le maintient à 2. Ça faut l'augmenter à tout prix parce que niveau ravitaillement ça va être une catastrophe. Voilà. Purée, tout ce qui se casse la figure, c'est affreux. Ok. Ah, ils ont eu le temps de passer. Ah, les petits salauds. Ouais, bon. Oh là là là, le ratio de perte est monstrueux. J'ai jamais vu un ratio de perte aussi violent, quoi. Et heureusement, ça va, l'Indien, il s'en fout, je suis juste en train de démonter son... Non mais... Ah bah oui, c'est vrai qu'ils ont des troupes à côté. Alors, comment ça... Oh là, regardez ce massacre. Regardez, la barre se casse la figure. 35 000, ouais, là-haut, c'est un... Oh mon dieu, là, la bataille de l'Himalaya n'aura jamais été aussi sanglante. Mais regardez les pertes. C'est affreux. Oh non, là, il ramène de la troupe. Ouais, je crois que mon offensive va être un peu... Ouais, non, ça va être très compliqué, l'offensive, là. Comment veux-vous que je fasse? Ouais, on va envoyer des renforts à Moussa machin. Hop, troupe fraîche en plus, c'est parfait. On va faire du... Comment on dit? Du turnaround de troupes. Donc, toi, t'arrêtes.
Purée, on a pris des pertes. Oh, à la guerre moderne, ça pardonne pas, les gens. Boum. Victoire à Sinbringard. 80. Ouais, pff, les pertes. Encercleur. Ah bah c'est parfait, regardez, on a des traits géniaux. Ouais, je crois que l'offensive, là, elle est morte. Et regardez le nombre qui sont. Je peux pas passer. Voilà, on est en train de prendre de trop grosses pertes. On va suspendre l'offensive tout de suite. Oh, cette offensive a été une catastrophe. J'ai peut-être joué avec le feu. 25 000 contre 21 000. C'est bon, il se replie de toute façon, c'est parfait. Là, faut maintenant prendre le terrain. Qu'on prenne du terrain. Voilà, regardez ça, on va éliminer 10 divs d'un coup. Il y a 10 divs de garnison. Et franchement, une armée de garnison, c'est pas la pire stratégie au monde. Non, je veux dire. Ça reste quand même la pire stratégie. Comment ça se fait qu'on est aussi lent? Regardez, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 11 divs. Putain, cette IA qui me fait que des divs, quoi. C'est qui fait que de la garnison, mais c'est la pire armée, une armée de garnison. C'est, je veux bien que vous partiez du constat. Bon, on va avancer un peu plus, parce que je trouve ça un peu lent quand même. Regardez, les boys là-haut qui avancent. Oula, oula, là, ça ramène du monde. Sumdo, on les a démontés. Ah, ça, les Américains arrivent au Vietnam. Les choses sérieuses ont commencé. Il y a quoi là-dedans? Allez, 7 divres. Bon, là, on va... C'est moi, il a encore gagné du terrain, l'autre. Bon, c'est pas important, de toute façon. Korik, occupe-toi de ta guerre dans l'Himalaya. Oh, mais regardez, on taille en pièces leur armée sans avion. Ah, c'est bon, on a fini le système d'hospital. Les hospitals, c'est comme ça qu'on prononçait, non, avant. Système 60, on va un peu attendre. Allez, agriculture. Faire de l'agriculture. Allez, il est temps de faire la révolution culturelle. Bah, c'est vrai que le prochain épisode... Alors, j'espère que je ne me trompe pas, mais le prochain épisode, il y aura la nouvelle intro. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Que je me trompe pas, parce que je me dis non, je vais avoir l'air con. Les pertes sont affreuses. Moi, ça me va. On taille en pièces l'IA. Putain, regardez, on va avoir deux divs qui vont se retrouver en plein milieu du Maelstrom. Et non pas du Maelstrom, comme j'aime bien faire cette blague. C'est quand même dingue que j'ai juste une unité qui va très vite. Et tant que si je les envoie le 25 août, ouais mais non, mec, ça va pas du tout le 25 août. Regardez, je ne sais pas comment fonctionne cette division qui avance aussi vite. La Croatie, mais ça, je m'en fous. Ah mais d'accord, c'est de la cavalerie. Cavalerie mécanisée, ah bah, 3 km/h dans l'Himalaya, purée les... elle est franchement, pas à dire quand même. Eh, là, faut qu'on fasse en cercle. Si on prend Sumdo, c'est la victoire. Sumdo ou la mort. Bon, eh ben, on va se préparer à la contre-attaque. Parce qu'une fois que j'aurai pris Srinagar, ils vont pas me lâcher. Je connais l'IA. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, bah, un QG armé du Pakistan. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Général Ayub Khan, qu'est-ce que vous foutez là? Mais regardez, les mecs, ils m'ont envoyé des étrons, quoi. Singapour est toujours indépendant, n'est pas toujours pas indépendante. Attends, ils m'ont pourri. La montagne 45, ouais, moi, vous avez vu comment. Comment j'ai taillé en pièces? Est-ce que je perds des tanks dans le tas? J'ai perdu. Non, j'ai pas perdu de tanks, j'ai juste perdu des chevaux. Oui, bon, bah, en même temps, les pertes que je me prends. Bon, là, on va lancer l'attaque, histoire d'aider les copains. À l'attaque! Boum! Voilà, on est de retour, les copains. Alors, 3. Ah non, ils ont qu'une garnison ce coup-ci. Beaucoup, 36 divs, aïe, 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 mais je me fais éclater. Oh, je me fais éclater. Au secours. Au secours. Allez, Srinagar. 2 juin, mais c'est quoi ces conneries? Vous étiez censé arriver, norme, aujourd'hui. Non, ça ne va pas du tout. Putain, il me taille en pièces, les 38 divs. Ah, c'est ça, la guerre moderne, ma purée. La guerre moderne, c'est une catastrophe. Oh, 40 divs, je suis vraiment en train de me faire éclater, là. Je pense que c'était pas une bonne idée de les envoyer au front, eux. Bon, on va arrêter l'offensive ici, parce que là, c'est... Putain, je suis en train de saigner à blanc mon armée aussi, l'IA. Oh là, là, ils m'ont taillé en pièces, là. Ouf, bataille de l'Himalaya, c'était clairement pas une bonne idée. Allez, on arrive, les copains. Il est l'heure d'arriver. Allez, là, c'est arrivé à temps. Oui, on est arrivé. C'est parfait, là on va les encercler, là on va envoyer une partie des troupes en renfort directement sur la ville. Hop, vous arrivez le 13, la faute tire 10 jours. Putain, ils vont se faire massacrer. Oh oui, on les a encerclés à Sumdo, c'est parfait.
Oh oui, ouh, ça sent le massacre là. Attends, c'est qui ce guignol là? Nawab Kanji, d'accord, ils m'ont ramené un Maharaja de l'autre bout du monde. C'est les mecs, ils ont tellement plus rien à perdre. Envoyez le Maharaja. M'envoyez le mec de Tintin là. Bonjour. Allez, 12 lits devant moi. Putain, le massacre. Massacre mort dans l'Himalaya. On retente l'attaque. Faut tenir. Enfin, il faut permettre aux gars d'arriver. Ouais, mais je suis clairement pas sûr là. Non, on va arrêter. Putain, cette offensive qui a été un carnage pour rien. Ah! Allez, on renvoie les renforts ici. Allez, vite! Plus vite! Oh, ils m'ont battu. 4000 morts. Oh non, s'ils prennent ils vont prendre la province si vite. Allez, allez, les gars, vous pouvez le faire! Allez, les 12, les 12, les 12! Et voilà! C'est comme ça qu'on gagne une bataille. Regarde ce ratio de perte. 5000 contre 26 000. Oh, purée! Ça. C'est pas du massacre. Alors, Katagram, il y a encore une bataille. Ah, ils sont revenus, d'accord. Oh, d'accord. Je les ai tailladés en pièces et ils reviennent. Bonjour! Purée, je vais jamais arriver à temps, moi. C'est une catastrophe. Comment voulez-vous que j'arrive en avance si je n'ai pas le temps d'arriver? Oh, d'accord, une troupe qui se replie. République islamique d'Iran. Allez, hop! Là, ça va être le redéploiement stratégique le plus impressionnant au monde. On envoie tout là-bas, allez! 5 jours, eh, ça va pas tenir. Je connais l'IA, elle va arriver avant moi, tu sais. On est dans les montagnes, mais c'est eux qui arrivent plus vite que moi, normal. Ah oh, putain, ma troupe qui a morflé quand même. 13, allez, 4 jours. On va retenter une offensive. Oh putain, il y a 40 divs! Oh mais ça va être un massacre! Quand je vais arriver là-bas, ça va être un carnage. Regardez ça, je me fais tailler en pièces. Ma pauvre milice de merde qui se fait massacrer. Non, il faut arrêter. Coric, monsieur, faut arrêter la drogue. Non, mais en vrai, ils mettent toutes leurs troupes là, je passe plus. What? Ah, pardon, j'ai cru que c'était Confederate State of America. J'allais faire, mais pourquoi il y a les confédérés de retour, mais non. Putain, seulement, c'était comme dans Art of Fighting 4, tu sais que dans combien de temps ils arrivent, mais là, je sais pas. Je ne sais pas quand ils arrivent. L'avantage, c'est que s'ils se ramènent comme ça, je les démonte. Oui, on nos renforts sont arrivés. Ça va me passer, mais tellement difficilement. On envoie tout. Faut tenir. Tenez bon, les gars. Allez, les blindés, vous me faites un massacre. Putain, 43 divs qui m'attaquent. Panzer Leader, ils ont même pas de tank. Ils ont même pas de tank, ces couillons. Par contre, ils ont la montagne. Oh putain, ils ont la montagne. Oh, ils ont de la bonne montagne même. On va renvoyer de la troupe, allez. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Toi, tu continues l'attaque. Et vous allez ici. Alors attendez un instant, je vérifie juste à combien je suis au niveau du chrono. 18, c'est bon, c'est parfait, on est dans les temps. Défaite! Oh, mais ils m'éclatent! Bon, toi, ils vont à 50 000. Et d'un côté, c'est un avantage s'ils se barrent de là, parce que comme ça, je pourrais les rencercler ensuite. On va retenter, on va retenter. Par contre, s'ils se... Non, ils ont pris la ville! Fais suer! Ah, fais suer, ils ont pris la province. C'est les mecs, j'envoie 50 000. Et ils sont tous redéployés à Pékin, mais je vous déteste. Allez bien vous faire, les gars, surtout, hein. Ah, purée, ils sont tous déployés au pire endroit de la planète. Hop, on va tout déployer. Août! Oh purée, on se redéploie dans 100 000 ans. Oh, ce massacre. Bon, au moins on a détruit 12 divs de l'ennemi. C'est quand même pas mal au niveau perte pour... C'est quand même pas mal niveau perte du Pakistanais. Ouais, c'est bon. Là, il va faire un truc vraiment stupide. C'est qu'il va redéployer toutes ses troupes ici. Et moi, je vais pouvoir attaquer de l'autre côté. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir attaquer totalement non plus. Parce que je quand même que je garde une base de réserve ou un truc du genre. Ah, fais suer! Fais suer, mon plan était si parfait! Et ils ont trouvé le moyen de tout foutre en l'air. Voilà. Bon, bah, envoyez les Birmans. Je vais vous envoyer en plein milieu de la montagne et tout, mais j'ai pas trop le choix, voyez-vous. Voilà, niveau logistique. C'est parfait. Après, niveau logistique, il n'y a plus rien. Donc, c'est eux qui sont le plus niqués dans l'histoire. Oh oui. C'est bon, ils vont faire mon plan. Ils vont faire ce que j'avais prévu. Enfin, là, je viens de le prévoir à l'instant, mais bon. Putain, mais ils rattaquent encore un catagramme? Ah, ils ont envoyé de la troupe! Ou alors c'est la même? Non, c'est la même montagne! C'est une unité running gag, j'adore! Bon, là, niveau perte, j'ai dû morfler. Ah, on a fini le plastique! C'est bon! Une nouvelle heure de gloire pour notre nation a commencé!
Voilà, c'est parfait. On va gagner de la tech. Putain, je suis descendu au niveau. À ce niveau-là, je me suis bien cassé la figure. Mais ils vont avoir abandonné toute la région, moi bah, ça me va. Ouais, le problème, c'est qu'ils ont mis trop de troupes. Je suis rien changé. Sacré Ricain. Tam, ils vont. Oh oui, c'est bon. À l'attaque. On va juste laisser Semenov en réserve. Parce que bon, vu la tronche de mes troupes, si j'attaque avec Semenov, on sait comment ça va finir. Boum! Ah oui, ils ont laissé une garnison. Oh, les couillons. Voilà. Enfin, une garnison qui va se faire éclater en moins de 5 minutes. Mais c'est qui? Attends, mais c'est qu'ils vont aller plus vite que moi en plus! Ah, les salauds. Non, mais normalement, j'arrive avant eux. Enfin, si ma TC décide de pas faire n'importe quoi, c'est bon! Mustapha Abad, on arrive le 13 août. Oui, mais s'ils vont aussi vite que moi dans les montagnes, ça va pas aller, les gars. Sumdo, ah bah, ils me renvoient de là. Ah non, c'est à Sumdo qui renvoie de là. Ah bah, d'accord, ils m'ont mis une garnison, la garnison s'est fait éclater. Ah, les imbéciles. Ah, c'est pour ça que j'aime l'IA, parce que l'IA, elle fait souvent des trucs complètement incohérents. De ce genre-là, mais bon. État paysan, ouais, bon, bah, ta priorité, mec, serait. Oh, 48 div! Là, il y aurait un truc à jouer, ce serait de ramener toutes mes troupes là, qu'on ait une bonne bataille. Ah, oh, bah, c'est bon. Bah, là, ils vont se s'empaler. Enfin, ils vont se. Voilà, alors, ça commence à. Quand ça ramenait de la viande, comme on dit. Comme dirait Petit Poucet, la viande est là! La bonne viande charade, comme on l'aime. Hop! Et eh bah ben c'est parfait, on va vous casser la figure encore plus. Putain, niveau perte, c'est un massacre. Cette guerre, ça va être un. C'est. Après, on dit qu'il y a plein de cadavres sur le toit du monde, mais alors là, le toit du monde, il est recouvert de plus. Il est recouvert des corps de méga, c'est un carnage. Après, j'ai pas dit que j'avais une stratégie, hein. J'ai dit que j'avais un plan. C'est pas pareil. Et on les éclate, les 16 divs, allez! 25 000 contre 18 000. Si ça, c'est pas un. C'est un ratio catastrophique. Ah! C'est bon, on va avoir fini notre traversée. De la jungle. Et là, c'est simple. Une fois qu'on aura piqué Kalagram et Kulna, bah, ça va être une chasse. Parce qu'il va falloir éliminer ce qui reste. Ouais, c'est bon. Ils vont pas envoyer beaucoup de. Ah oui, en plus, j'ai mes renforts qui sont pas arrivés là-haut. Bah, c'est parfait. J'ai une base de réserve. Non, mais les gars, arrêtez là. D'accord. Donc, ils commencent à me faire mal. Non, c'est bon. On les éclate. Mais comment ça se fait qu'ils m'éclatent? Je veux dire, j'ai beaucoup de troupes qui sont déployées quand même. Bon, en même temps, j'ai de la pauvre milice contre eux. Ma pauvre armée de milice, c'est les mecs, ils vont rien faire du tout, mais on les envoie quand même. Attaque! Voilà! Allez! Qui c'est qui dirige? C'est l'autre, c'est Yana Khan. Pourquoi c'est tous des Khan? Il me semble qu'il n'y a pas de monarchie en Pakistan, non? D'où ils sortent ces noms? Enfin bon, c'est pas vraiment la question qu'on se pose. Et voilà, regardez ce massacre! Et hop! Et allez, tout ça dégage! Oh putain, ce massacre! Ah, c'est bon, là, on est arrivé. Alors! Oh, mais ils m'ont amené deux divs! Ah, d'accord, je suis obligé de passer comme ça. Bah, très bien, hop. Bah, vous dégagez, monsieur. Voilà. D'accord, ils ont deux divs, intéressant. 30 000 contre 14, putain, le recomplètement, ça va être une catastrophe. Oh là 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 là. Et hop, on avance. Plus vite! Je vais en être à fouetter mes soldats pour qu'ils avancent plus vite. Le 13 août. Là, normalement, vu comment ça doit être lent dans l'Himalaya avec le peu d'infra, ils sont pas prêts d'arriver. Putain, par contre, niveau perte, c'est une catastrophe. Oh là là, j'ai des trucs qui. Il va falloir que je mette des points dans le renforcement. Ah, ils m'ont amené quoi? Oh putain, une peau. Oh! Attends, mais elle a perdu. D'accord, donc j'ai tué 2000 soldats contre même pas 100. C'est ce pire ratio de perte que j'ai pu voir. Enfin, en ma faveur. Putain, mais. 32, mais ils ont vraiment 90 divs à m'envoyer, là, c'est incroyable. 71. Ah bah oui, j'en ai tué au moins 20, c'était de la garnison. Putain. Si tu vous vous rendez compte, j'ai tué un quart de leur armée, c'est que de la garnison. Ah, regardez ça, on a de bons renforts qui arrivent. On va se mettre en support attaque. Hop, comme ça, nos renforts seront en meilleure posture que ça. Parce que à niveau perte, cette guerre, ça va être un carnage. Ouais. S'il y avait un ou deux opposants qui pouvaient être flingués dans ce tas, ça me dérangerait pas. 28 août. Allez, on met les gaz. Ah bah, littéralement. Mais là, vous mettez les gaz en sens inverse. Regardez, il y a déjà plus que 12 divs. On a tout massacré. J'ai peut-être un plan. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de troupes qui attaquent, on va tenter de les stopper ici. Parce que moi, j'ai vraiment peur qu'ils prennent la province avant que je me déploie. Et s'ils font ça, je suis dans la merde parce que mes troupes sont pas prêtes d'arriver. Alors, qu'est-ce qui m'attaque? Ouais, ah oui, ils ont une moto, alors double raison de les stopper. Eh, ça va, hein, c'est équilibré quand même. Basique Armor 39. Alors quoi, nous ressemble nos petites tankettes? Oh, regardez comme ils sont mignons. Je crois que cette guerre va vraiment être très longue.
J'avais peur que cette guerre dure 2-3 ans, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Voilà, regardez ça, il m'envoie des débris. Les mecs ont même pas... Tamabada est mort, c'est qui ça? Ah, bah je sais pas qui c'était, mais qui repose en paix. Le massacre. En même temps, j'en vois Sidif, tu m'étonnes que les mecs, ils morflent. Oh là 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 là, c'est offensive. Ouais, 5000 contre 8000, ça passe pas. Aïe 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 aïe. C'est une des pires offensives que j'ai pu faire, mais bon. Enfin, ouais, niveau offensif, cette guerre, on aura eu. Putain, le toit du monde, le cimetière du monde. C'est bon, ils envoient qu'une... Oh là, oh là, oh là. Ça va, ils envoient qu'une div de ce côté-là. Ça va être un massacre à Sumdo, ils vont tous revenir. Après, ça me va, s'ils reviennent à Sumdo, et si je peux les rencercler de nouveau. Allez, attendez, c'est dans 2 jours que les renforts arrivent, c'est ça? 2 jours, on croise les doigts. Ah, qu'est-ce qu'ils renvoient? Non mais les gars, arrêtez là. Voilà. Oui, on a tenu. C'est bon, les copains ont tenu. Oh, c'est pas passé loin quand même. Oh, c'est pas passé loin. T'as les troupes qui doivent se refaire. Oh là 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 là. Va falloir vraiment que je fasse des réformes dans mon armée. C'est pas parce que je crée 50 milliards de soldats que ça va être très efficace. Ah, on gagne 0,5 par jour. Eh ben, c'est parfait. J'ai une idée. On va les laisser avancer. Vous savez quoi? Il vaut mieux les laisser avancer. Parce que ces andouilles, ils vont prendre une province. Ils vont prendre cette province-là. Et ça me va complètement bien. En plus, c'est parfait. Ça va être les tanks. T'as les tanks dans l'Himalaya, quoi. J'ai aucune honte. Je n'ai aucune honte à envoyer ça dans l'Himalaya. Alors, eux, ils vont à quelle vitesse ils attaquent? 20 novembre. Putain, mais c'est quoi cette lenteur administrative, là? 21 novembre. Putain, c'est encore pire. Ah, ils renvoient encore de la troupe. Mais arrêtez les gars, c'est indécent ce niveau de perte. Allez, on envoie les Alpins pour régler ça. Oh là 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 là, les tailles en pièces, c'est une sale guerre ça, c'est... Ah bah tiens, ils sont encerclés, parfait. Hop, hop, et voilà. Voilà, on va encore éliminer 2 divs pakistanais, c'est bon. Car c'est les Pakistanais qui s'amassent, et moi aussi qui m'amasse. Oh non! Oh mais 15 divs, évidemment que ça... Évidemment que je vais avoir quelques petits ennuis. Ah ouais mais non, ça va pas passer si je déploie des troupes. Ah ouais, c'est comme d'habitude, c'est encore ma moto qui fait n'importe quoi. Enfin, ils font leur job, on va pas se plaindre. Allez, là on les attend. Le Sumdo sera votre tombeau. Et ouais. Ah pendant ce temps, je crois que les combats s'étaient arrêtés, mais non. Ah, ils m'ont repris la province. Tant pis pour vous. Allez, hop. T'as cette guerre. Cette guerre vaut de l'or. Elle vaut surtout des hommes. Parce que croyez-moi que des hommes, j'en aurai plus à la fin de cette série. Oh, oh. Ce sera un miracle s'il y a encore des Chinois en Chine. T'as l'Allemand qui doit m'observer faire une guerre de singes. Je dois être là, mais qu'est-ce que vous foutez? Bah, on essaie de gagner la guerre, voyez-vous. Non, là, normalement, si on passe... Bon, vous maniez à Sumdo, parce que moi, je voudrais bien vous encercler. C'est le mec a un plan diabolique, mais... Bah, qu'est-ce qu'ils foutent là? D'accord, eux aussi sont arrivés trop vite. Oh, ça fait un peu chier quand t'as des troupes qui arrivent trop vite. Bon. Hop. De toute façon, mes troupes sont pas prêtes d'arriver, alors tant pis. Ah! Une nouvelle escadrille. Ça me fait une belle jambe, parce que je ne peux pas déployer mes avions, vu qu'il n'y a aucune province. Oh... Tant pis, là, on saigne du pakistanais. Regardez, les ratios de perte sont tellement en ma faveur. Je veux dire, on perd presque rien en troupes. Est-ce qu'ils m'aiment au Pakistan oriental? Parce que ça se plaît comme ça, le Bangladesh, c'était Pakistan oriental avant. Non, ça, les gens m'aiment. C'est vrai que l'Inde est une... C'est vrai, j'avais vu ça parce que Pépé, il avait fait sa petite série avec la Mongolie de Sternberg. C'est une province... Oh, mais non, mais d'où ils sortent tout ça? Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Non, non et non. Putain, les mecs, c'est ça qui est chiant, c'est que t'envoies 50 milliards de soldats, ils en envoient 50 000, mais ils sont plus crevés que toi, mais ils gagnent quand même. Voilà, allez, hop. C'est pas que je veux pas, mais investir en éducation, plus 0,5 de trigger, moins 1 de belligérance, plus 0,8 d'argent. Eh, le prochain qui me dit qu'il faut pas investir dans l'éducation, c'est une balle dans la tête. Ouais, écoutez, le gouvernement impérial, il en a un peu marre que les gens se foutent de notre gueule. Hein. Pour ça, mes avions évoluent, mais j'en ai rien à faire. T'as un niveau perte, par contre, c'est catastrophique. On va mettre un peu de ravito. Parce que niveau ravito... Bah, allez, hop, on renvoie le corblin, on renvoie les véhicules. Chargé! Cavalerie qui a été sacrifiée en vain, mais bon.
Au moins, on les taille en pièces. Parce que regardez ça, ils vont pas pouvoir envoyer toute leur deal éternellement. Moi non plus, d'ailleurs, mais... Je peux me permettre d'envoyer toutes mes troupes comme ça. Parce que, de toute façon, si on arrive ici, on sera dans une bonne province défensive. Alors, la cavalerie motorisée 46, ça ressemble à quoi? Oh, putain, le mec au garde-à-vous, là! Prêt à vos ordres, mon commandant! Bon, bah après, si on va en retrouver une par une, ça me va. Si on perd 183 soldats par bataille... Ah, ça y est! Le nucléaire! Laboratoire! Nierk, nierk, nierk! Je vais pouvoir créer ma première bombe nucléaire que je pourrais balancer sur New York. Pardon? Je veux dire balancer sur nos ennemis qui ne sont pas à New York. Vous inquiétez pas, Sire, ils n'ont pas découvert notre plan diabolique. Encore heureux, parce que là, je vais avoir l'air con s'ils ont découvert mon plan. On va laisser eux là, parce qu'ils vont être très importants. Asaka, tu vas être l'homme de la situation. Le négociateur. Mais où est-ce qu'il a appris à négocier? Je voudrais bien le savoir, moi aussi. Ah non, moi je veux juste que tu aides. Comment on fait? Oui, voilà. Oh, tu vas soutenir Srinagar si on attaque. Voilà, ce sera mieux comme ça, Srinagar. Allez, les 13, là, bougez-vous. Moi, j'ai envie de prendre la province et de vous la mettre à l'envers. Parce que c'est vraiment ça, mon plan. C'est vraiment de la mettre à l'envers à votre armée. Le problème, je sais pas si j'attaque maintenant, ils seront tous arrivés ou non. Parce que vraiment, il faut péter le plus de divs possible. Vous avez vu ça? Il y a 50 milliards de divs. Voilà, là, on va finir la poche. Voilà. On perd presque plus rien, on trouve. C'est bon, plus que 9. En plus, il y aura plus de divs, ça, c'est parfait. Vous la sentez, la belle offensive? La belle offensive, la belle offensive. Bon, on va envoyer de la troupe parce que là, ça... Putain, on arrive le 6 janvier. Putain, on va s'entretuer sur le toit du monde juste pour bouger d'une province. C'est... En plus, je n'ai quasiment pas à bouger. C'est ça le plus qu'à... Putain, 0,8 la province. Oh non, là, c'est... Ça va falloir vraiment que j'avance parce que niveau... 15, et du 40-30, évidemment, qu'ils reviennent plus vite. Bon, par contre, s'ils reviennent 2 par 2 comme ça, moi, ça me va. Putain, en plus, j'ai montagnard à l'attaque. Montagnard 35, c'est encore le vieux matériel de merde, là. Ah! Tant pis pour vous, Banzai! Ouf! Allez! À l'attaque, les gars! Regardez cette bataille sanglante! Défaite, c'est pas grave. Le plan, c'est des deux. De toute façon, en plus, ils ont perdu leur retranchement et ça, c'est encore mieux. 12 divs qui vont être encerclés grâce à cette offensive. 12! Pas une de plus, pas une de moins. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Construction 60. Allez, hop! Chosen Manchu, on y va. Bon, 12 divans encerclés sera déjà mieux que rien. Oh, ce massacre. Ah! Mes troupes qui vont tellement vite qu'ils arrivent avant les copains. C'est pas sympa, les gars. Laissez les copains avancer, voyons. Merde, lui, il faut que j'envoie. 19 novembre. Allez, là, c'est ton jour de chance, mon gars. Allez, c'est bon, les renforts arrivent. Ouais, par contre, oh là là, les pertes que j'ai subies. Oh! Allez, les poteaux! Faut prendre la position maintenant! Oh, c'est un massacre. Oh, ces pertes! Et allez, c'est le major général Takeuchi qui a réussi un magnifique exploit. Bah, pour l'occasion, je vais t'XP, hein, y a pas de problème. Par contre, du coup, j'ai mes tanks qui ont défensive doctrine, ce qui est taxonomie catastrophique. Attends, on va te faire général, toi. Lieutenant général, voilà, c'est déjà mieux que rien. Oh là 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 là, les pertes qu'on a eues. Bon, vu que là c'est sécurisé, on va envoyer tout ça en déploiement stratégique. C'est bon, ma TC n'a pas encore explosé. Oh, on est pile. Oh non, les salauds. Oh les salauds. Ils ont deviné mon plan. Bah, en même temps, Corique, l'IA, elle est pas suffisamment stupide pour ça quand même. Non, non, et non, c'est... Le but c'est que je vous encercle, c'est pas que vous m'encercliez, c'est ça la différence. Putain, 12 divs. Ah bah évidemment. Évidemment, Corik, il a eu l'idée de merde d'attaquer 12 divs. Maintenant, il va assumer. Hop. Maréchal, en avant. Et on en envoie encore un. Tomita, à l'attaque. Voilà, là, c'est parfait. On a de la troupe qui va à l'attaque. Et on envoie encore une. Allez, hop. Putain, là, faut pas qu'il me prenne cache-garde. S'il pique. Ah bon, en plus j'ai qu'une deal à Kashgar, mais fallait me le dire, bande de crétins! Attends, c'était ma genre de singe, j'en ai pas un pour t'expliquer qu'il restait plus qu'une div. Bon, après ça va, il y a une div qui se laisse redéployer, elle va nous aider. Victoire à Kashgar, c'est parfait. Et ben voilà, si vous me laissez tranquille à Kashgar, je vous laisse tranquille à Kashgar. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars.
Vous me faites pas chier, je vous fais pas chier. Mais il est hors de question que je vous laisse la province. Gratos quand même. Non mais oh. Merde, c'est pas ça que je fallait que je fasse. Excusez-moi, je vais faire juste une petite pause pour boire un coup. Voilà. Et ben voilà, 22 000 contre 5 000. C'est IA, je te jure. Cinq minutes, je vais continuer encore une ou deux minutes. On va au moins essayer de peaufiner une poche ou un truc du genre. Parfait, là il m'envoie de la troupe que je vais me faire un plaisir d'éclater. Ah bah il me renvoie le Maharaja. On dirait un surnom d'un, on dirait un nom de code. Attention, ils ont envoyé le Maharaja. Hop, en plus il n'y a pas de plage, c'est parfait. Regardez ça. Nawab Ubadouala, le mec, il a eu la pire mission au monde et il va même pas avoir réussi à la faire. Et voilà. Et deux divans moins. Là, c'est parfait. Ouais, on va quand même attendre que les renforts arrivent. Ils arrivent quand, mes renforts? Ils arrivent le 3 novembre. Ah, voilà, dans une journée, et... Et voilà, 29 dives. Ça, c'est pas beau. On va en profiter pour faire un autre plan. On va descendre. Ah, encore le Khan qui est de retour. C'est la garnison qui me renvoie? Puis encore la garnison. Cette armée de garnison, je te jure. La garnison, le running gag du jour. Là, c'est mon corps moto qui va. Eh, hey, niveau essence, ça va. Et vroom! On vous roule dessus, littéralement. C'est pas à peine d'avoir les 50 000 divs, vous n'arriverez même pas à les ravitailler et tout ça. Bon, on va envoyer les... On va envoyer eux en support. Et voilà! Et voilà, encore une div à la poubelle. C'est bon, là, les 12, ils ont compris la leçon. On va faire un truc simple. Préparer la prochaine attaque. Alors, hop, toi, non. Toi, non plus. Voilà. Si eux, dès qu'on finit la poche, on attaque. Sumdo, là, on perce pour percer. Enfin, on attaque pour percer. Je sais, c'est pas très courant ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Allez, la moto qui évolue, c'est parfait. Putain, mon infanterie qui a morflé. Oh, purée, ma moto, ma moto! Allez, on va supporter. Hop là, bonjour. Oh, c'est parfait, ils en renvoient même de la div, c'est parfait. Allez, hop. Là, on a fini la poche. Toi, tu vas te redéployer à... Machin. À Muzaffa. Désolé, mais les noms sont tellement complexes. Sumdo, oui, c'est pas complexe, mais à répéter. Le problème, quand tu passes un long moment à te battre dans la même région, tu dois retenir les noms qui sont prononcés en boucle. Pas vous mentir, c'est très chiant. Bon, on va envoyer de la... Infanterie 58 de Mongol. Les héritiers de Gengis vont être là avec nous. C'est bon. On a réussi notre première percée. Là, on va retenter le coup. Alors, Peshwar, non. Shringar, non. Peshwar. Ah, j'ai une div qui se replie au passage. On va tenter une attaque de support ici. 18 div, ça devrait le faire. Hop! Surprise! Bon, on va même faire mieux. On va envoyer les blindés et tout. Est-ce que là, on peut faire une double poche? Et ça, c'est encore mieux. Attends, eux, on va les renvoyer, du coup. 7 décembre, c'est parfait. En fond, il y a une magnifique musique japonaise, mais je ne sais même pas si vous l'entendez. Quelle tristesse. En plus, ils se replient dans la poche de Sumdo, mais ils sont cons! Ils sont tellement cons, je les adore! Ah! Ça va pas passer. Putain, mais c'est dingue. Ils envoient 50 milliards de troupes, ça ne passe pas. Comment c'est possible que ça passe pas? Genre, ils ont 32 divs. 32 divs sur 120. Tu vas me faire croire que le mec peut commander 120 divs quand même. Ouais, non, les défenseurs, ils font gagner du terrain. Là, ça va pas du tout. Aïe, 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 ça a été une raclée, ça. Ça a été bien douloureux pour moi. Bon, bah là, on va se replier. Belle tentative. 30 divs au fond. Ouais, je pense encore deux encerclements comme celui-là. Oui, c'est bon, tous nos copains vont... Les copains vont arriver tous en même temps. Allez, Srinagar. 26 décembre. Ah, oh, c'est la milice qui arrive les premiers. Non. Oh, les cons. Oh, les cons. Bon, bah, allez, Sumdo, on rattaque. Visiblement, ils ont pas trop compris la leçon de la dernière fois. C'est pas grave.
Voilà. Tu me lâches, je te lâche. Voilà, c'est ce que je préfère. Sauf que le problème, mon grand, c'est que tu t'arrêtais quand il était encore temps. Allez, arrivé au moment où je gagne la bataille comme ça. Merde. Louis sort deux. Bah, c'est pas grave. Oups. Finalement, on n'a pas eu beaucoup d'events. Fort heureusement, ça me fera moins d'events à gérer. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Attention, j'arrive. Ils arrivent tous que dans 100 ans, c'est une catastrophe. Est-ce que je peux pas envoyer des volontaires, des renforts? On va tenter d'envoyer des renforts pour épauler. 3 km/h. Hop. Putain, l'essence, ça y va. Hein. Heureusement qu'il y a de l'essence dans le désert ou une connerie du genre. Parce que sinon... Coupe du monde! Attends, ils ont lancé quoi? Ils ont lancé Prospé. C'est quoi Prospero? C'est quoi cette merde? 48 minutes, il va falloir que je m'arrête là. Ils ont lancé un satellite! Et pourquoi ça me fait du dissent? Mais je m'en fous qu'ils aient lancé un satellite! Ah, parce que peut-être ils voient que je suis pas très gentil sur le champ de bataille. Oui, bon, ça va, les gars. C'est qu'une guerre, hein. On déconne tous à un moment ou à un autre. Voilà, c'est bon. Le Bangladesh est pacifié. Ça aura pas été très long, quand même. Bon. 14 décembre, on va tenter le coup. Si on peut arriver le 14 décembre, ce serait magnifique. Non, on va pas prendre Srinagar. Fais suer. Bon, on va tenter une ultime offensive, voir si ça passe. Tain. C'est vraiment c'est vraiment la technique du plus c'est gros, plus ça passe en termes de troupes. Là, c'est bon, ils ont que 30. Voilà, là, ça va être équilibré. Boum! Il pleut en plus. Il pleut dans l'Himalaya, vous y croyez ça? Eh, au moins, ça fera de la belle eau, de la bonne eau. Ça fera de la bonne eau. Par contre, niveau perte, cette cas. Putain, ma milice! Putain, ma milice 54 qui est en train de morfler. Ah, va falloir que je constitue tout ça après. Ah oui. Constitution, croyez-moi que ça va être le plus compliqué. Comment ça, ils m'attaquent à Srinagar? Ah oui, on a nos renforts qui sont arrivés. Parfait. Ils arrivent quand à Srinagar, eux? 1er janvier, purée. Vous mettez 100 ans pour vous déplacer, évidemment qu'on va perdre cette bataille. On va arrêter l'offensive ici. Ah, putain. Ces offensives dans l'Himalaya. Alors, excusez-moi. Ces offensives sont des massacres. En fait, je gagne quand même beaucoup de manpower par jour. En début d'épisode, je devais être à 500. Là, je suis à 7000. Enfin, je suis à 572. Ça veut dire que je perds de la populace, mais j'en gagne en même temps. Cette guerre n'a plus de cohérence. Là, pour l'instant, la poche n'est pas prête d'être réglée. De toute façon, les renforts n'ont pas tardé à arriver. Ils arrivent à la fin du mois. Théoriquement. Parce que dans les faits, c'est un peu lent. Il y a essayé. Ah, voilà, qu'est-ce que je disais? Eh, là, ça commence à tenir un peu mieux, là. Ouais, bah non, pas totalement. pas totalement. 26 décembre. Allez, là, on pousse. On pousse, les gars. Allez, c'est le dernier effort. 25 décembre. Plus vite. Sumdo, ça fonctionne. La poche de Sumdo aura encore fonctionné. Attendez, on va pas bouger. On va attendre qu'ils se font buter comme des andouilles. C'est bon, les renforts arrivent. Je crois que on va avoir sécurisé. Ah non, c'est même pas assuré. Putain, la victoire n'est même pas assurée. Ah, 7 jours. 4. Défaite. Oups. ça va pas passer. À 2-3 jours près, ça peut le faire. On va avoir un bon stack de diff qui va arriver. C'est bon, les renforts arrivent. Oh oui, nos alpins! Allez, les alpins, tenez bon! Putain, les alpins, 35. Ils se font éclater, mais ils tiennent quand même. Oui, ils tiennent. Allez, 2 jours! Premier renfort, ils arrivent dans 2 jours. 2. 1. J'ai dit 1, s'il vous plaît. Mais allez vous faire, les renforts, là! Oh, ce miracle! 17 divs sont arrivés d'un coup. Tant purée. Obata, bah, c'est exactement ce que l'IA, là, ils sont en train de dire. Oh, les bâtards, bah ouais. Bah ouais, les gars. Il y a Obata qui est dans la place, tout se passe bien. Et voilà. C'est ainsi qu'Obata a sauvé le game. Encore. Bon, alors, c'est quoi mes divs les plus éclatés? Je pense que je vais les renvoyer en arrière. Ouais, mais en plus, elles n'arrivent pas à se régénérer. Bah ouais. Bah oui, Coric. Bon, alors, toi, tu vas revenir à... On va faire un défilé triomphal à Pékin avec les miliciens, avec des bras... Non, bah non, vous n'êtes pas rentré à pied, mon abruti. Putain, ils mettent un an pour tout traverser le désastre.
50 divs dans l'Himalaya. Si ça, c'est pas épique. Bon, on va pouvoir s'arrêter là. Prochain épisode. Prochain épisode, je pense qu'on a les moyens de finir la guerre. Enfin, à peu près. Parce que là, alors, à moins que j'abandonne Sumdo pour refaire une poche, ça peut se faire. Ou alors, on tente une offensive à Peshawar. Après, oui, ils ont une bonne base à 40. Oui, regardez ça, une fois que tu descends, là, 50, 60, purée, là. Enfin, qu'on se auto dans le désert, ça, pas du tout. Bon, bah, j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode, qui, je l'espère, se fera la prochaine fois dans des conditions climatiques un peu moins rudes, parce que je suis complètement en sueur. Je vous dis à la prochaine. Bye.